Bonjour à tous, c'est Claire de la chaîne YouTube What's Up Claire et aujourd'hui j'ai été invitée chez Guiran pour tester la nouvelle gamme de maquillage de chez Revlon et je vais vous proposer un maquillage spécial Saint-Valentin pour l'occasion. Donc tout d'abord, je commence par mettre une base avant d'appliquer le fond de teint. Donc celle-ci, c'est la Photo Ready de Revlon. Il faut l'appliquer après s'être lavé la peau et avant le fond de teint. Nickel. Donc je vais la mettre. C'est une base normalement transparente. Voilà. Donc j'applique sur petite touche sur tout le visage et après je l'étalerai. Je vais mettre un petit peu. Donc ensuite, je vais passer au fond de teint. Donc lui, c'est un qui était créé spécialement à la base pour les défilés. Je trouve ça vraiment sympa. Hop. Ce fond de teint contient des mica titane, donc ça permet vraiment de refléter la lumière et de rendre le visage plus lumineux. Donc maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Donc je vais le mettre sur mes cernes mais pas que, je vais le mettre aussi sur mes rougeurs et sur mes imperfections. Ensuite je vais matifier le tout avec la poudre matifiante de Revlon. Donc là je vais prendre un pinceau. Voilà, nickel. Et donc là je l'applique vraiment sur tout le visage. Donc ensuite je passe au blush, toujours de Revlon. Celui-là c'est le éclat rose numéro 20. Donc là c'est vraiment bien parce qu'il y a plusieurs couleurs et ça va rendre un bel effet je pense. Donc voilà, j'en prends et je le mets bien sur les pommettes. Donc quelque chose qui est très important pour moi avant de faire les yeux, c'est les sourcils. Donc je vais prendre le Brown Fantasy de Revlon. Donc là, c'est la teinte la plus claire. Donc d'un côté, il y a le crayon et de l'autre, il y a le gel. Donc je mets d'abord le crayon sur les sourcils et après, je fixe le tout avec le gel. Là, je vais me rapprocher un peu du miroir. Maintenant, on va passer au fard paupières. Donc c'est une partie très importante pour ce maquillage de Saint-Valentin. Et j'ai choisi des tons rosés, un peu prunes, puisque c'est vrai que c'est idéal aussi pour les yeux verts. Mais pour aussi, je pense, les yeux bruns et les yeux bleus pour la Saint-Valentin. Parce que c'est vraiment une couleur très jolie à porter pour le 14 février. Donc pour le fard paupière, je vais commencer avec la teinte la plus claire que je mets sur toute ma paupière mobile. Ça servira de base. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est juste au-dessus. Et je vais également appliquer sur la paupière mobile, mais en partant du coin externe. Donc toujours avec le même pinceau. Donc maintenant, la dernière étape des yeux, c'est le mascara. Et celui-ci, c'est le Lash Potion Volume et Longueur. Déjà, j'aime beaucoup la brosse, je la trouve grande. Un tout nouveau chez Revlon qui est vraiment très bien, c'est le Love Is On avec des odeurs parfumées, donc ça sent vraiment super bon et c'est idéal. Donc je vais l'appliquer, je vais tester ça tout de suite et c'est la teinte 830. Hop. Voilà, j'ai terminé mon maquillage et pour un maquillage romantique chic, vous pouvez les gagner par un concours. Donc pour cela, il suffit de vous abonner à la chaîne Guiran Beauté, vous abonner à ma chaîne YouTube What's Up Claire. Vous pouvez participer jusqu'au 20 février, je vous souhaite bonne chance, gros bisous.